Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Witcher 2 et on est parti pour la suite. Donc dans la vidéo précédente, j'ai galéré ici à tuer tous les ennemis. Il a fallu que je comprenne un peu le système de combat, ce qui n'était pas une bonne chose dès le début. Hein. Je suis mort quand même plusieurs... non, qu'une fois, je crois que je suis mort qu'une fois. Et maintenant on va devoir... je peux fouiller, ouais, c'est vrai que je peux fouiller, tiens, hop. Un truc intéressant, il n'y a rien d'intéressant. Alors je suis censé remonter, je pense que je vais devoir remonter par là. Où il y a deux ennemis. Oula, il y en a 23. Bon, apparemment, je peux monter comme ça, non? Je peux leur nier la gueule. Ah, pas encore ici. Oh, le gros lâche, quoi. Là, je peux pas monter, c'est par où? Ah, crève, charogne! Voilà, c'est bon. Allez. Ah oui, là, comme ça, non? Je peux pas monter? Question con. Ah non, c'est juste là, apparemment. Il y a la grille qui se trouve là. Pourquoi je venais folter sur les remparts? Ah, je veux bien, mais à moins qu'il faut que je tue quand même tout le monde. Il veut que je tue tout le monde, c'est ça? C'est un gros charognard et il veut que voilà. Ah, 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 merci. Ah, bru, aïe, aïe, aïe. J'arrive pas, hein, sérieux. J'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il faut que je reste à distance. Et en même temps, ce qui paraît bizarre, c'est... Oh putain, lâche-moi. Mais qu'est-ce qui se... Pourquoi je perds plus de vie? C'est normal que je perds pas de vie? Bon, voilà. Pour moi, la magie, ça se fait à distance. C'est vrai que devoir m'approcher pour lancer un sort, ça me paraît vraiment bizarre. Je sais pas, à mon avis, il faut que je tue tout le monde pour pouvoir monter. On peut observer l'armée là-bas au loin. C'est vrai que la distance d'affichage est impressionnante, je trouve. Bref. Fouiller. Je veux juste fouiller. Ah, épée courte. Ça serait pas un peu plus puissante que la mienne? Comment est-ce qu'on voit la différence? Épée en acier. Dégâts, d'accord. Comment on voit cette épée courte? Épée en acier. Elle est où l'épée en acier qu'on voit? Là, arme. Ok. Épée longue en acier, elle fait 8-11, 8-10. Wow, c'est kiff-kiff, hein. Ok, d'accord. Ah. Et il veut pas mourir, hein? C'est normal qu'il veut pas mourir? C'est un bug ou c'est fait exprès? Bon, je sais plus, on se démerdait avec lui. Ah, bru! Bon, je sais pas, il a l'air d'avoir brûlé. Voilà, c'est bon, c'est ready. Ah, apparemment il est encore là. C'est bon. On est une bombe de lâche, on a 40 contre 1. Ah. Ah, voilà, c'est bon. Enfoncez la porte. Je veux voir cette porte voler en éclats. Hein? Allez, vas-y, défonce tout, dépose tout, détruis la porte. Hein? C'est le moment, quoi. De taper une petite discussion. Ah, aïe. Ah. Il me fait peur lui avec sa grosse masse. Ah. Ça c'est galère. Ah, le gars qui fuit pour rien. Allez, bouge. Ah.
C'est moi qui veux le tuer. Voilà. Tayo, 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 tayo. Bon, le roi, tu grimpes? Rendez-vous ou vous crèverez comme de sales chiens. Arienne de la Valette, il va nous donner du fil à retordre. Capitulez, Arienne, et on vous épargnera. Allez vous faire maître, roi. Ça c'est clair. C'est clair et net. Arrosez-les de flèches, d'une air, soldat, pour Téméria. Ils ont de bons boucliers. Vous avez une meilleure idée, peut-être? Je vais tenter de m'introduire là-bas. Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement. Lui, c'est le fils de Louisa et du vieux baron. Héritier de ses terres, il est impétueux mais manie bien l'épée. Faites attention. Je vais essayer de le raisonner. Touchez le sorceleur! Non, c'est bon, je déconne. Ah putain, ils sont beaucoup là. Maman. Sur les autres. Ah putain, il était là. Ah, il faut que je tue des archers avant. Ah, je suis trop près. Ah, mais ils vont pas me laisser avoir l'archer, hein. Enfin, le... Oui, c'est un arbalétrier, si vous préférez. Oui, bon, bref. Et tiens, je t'ai mis la misère. Bon, ben voilà, c'est bon. C'est bon. Pourquoi je peux pas monter? Coucou, c'est Bibi. C'est Bibi, c'est Bibi. Je peux regarder là, non? Si je saute, ça fait quoi? Ah, je peux pas sauter. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Je me rappelais qu'il était si beau, mais... Bref, la suite. Bon, on va discuter. Le grand Gérald de Rive. Vous êtes tombé bien bas, sorceleur. Le bruit court que vous êtes l'un des meilleurs épéistes du Nord. Voyons voir si la rumeur dit vrai. Arrêtons le massacre. Si vous vous rendez, Foltest saura vous traiter avec dignité, vous et vos hommes. Et qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas tous nous abattre au dernier moment? Rien. Foltest a souillé ma mère. Et le voilà qui complote maintenant avec les Nilfgaardiens? Le roi est à la tête d'une armée. Vous, il ne vous reste qu'une poignée d'hommes et votre honneur. Dans un instant, vous n'aurez peut-être plus rien. À vous de choisir. Vous avez entendu ça? Le roi nous envoie un sorceleur pour que nous nous rendions, oubliant l'essence même de l'honneur et de la fierté. Nous devons choisir la honte ou l'épée d'un sorceleur. Est-ce ainsi que vous voulez vivre? Comptez-vous vous agenouiller devant Foltest? Jamais! Le message est clair, sorceleur. Ne faites pas l'idiot. Ce n'est pas un jeu. Sacrifier vos hommes ne rime à rien. Capitulez, et le roi fera preuve de clémence. Mère a vu la clémence du roi d'assez près, il me semble. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous embrocher sur mon épée? Vous enfuir? Il a fait de mère une catin, pour ensuite la renier devant tout le royaume. Ce n'est pas faux. Mais ni un massacre, ni un héroïsme mal avisé ne changeront cela. Lâchez vos armes. S'il arrive quoi que ce soit, amer, je vous retrouverai et je vous tuerai. Ah, ben voilà. C'est un gentil petit toutou.
Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de luminosité dans le jeu. Que c'est très très blanc dès qu'il y a un peu de lumière. Ouais. Bon, bah, bonne chose de faite. Arienne de la Valette a capitulé. Eh bien, eh bien. Tu lui as parlé ? Juste un instant. Après, ils l'ont emmené pour le mettre à la question. Les traîtres n'ont pas la vie facile. Raconte. À propos, qu'est-il arrivé au dragon ? Il a détruit la moitié du château, tué bon nombre de soldats et s'est envolé. Où ça ? Dans la direction des Dirnes. Il a bien failli nous massacrer. Le dragon, mais non. Eh bah dis donc, on commence à voir des choses, hein. Arienne de la Valette a déposé les armes. Ouvrez les portes. Le baron est en vie? Oui, bien sûr. Je ne suis pas rancunier. Ouvrez et prosternez-vous, je saurai vous épargner. On dirait qu'on est bloqué. Oui, et ma magie n'a aucun effet ici. La section principale atteindra la ville avant nous sur ses bateaux. Tu veux retourner à la tente? Le campement devrait être particulièrement tranquille. J'en ai assez pour aujourd'hui. C'est tentant. Regarde, les forces spéciales du roi. Nous voulons le voir! Tu oses douter de ma parole, chien? Ouvrez sur le champ! Sprouch! Ah là là, c'est bien drôle. Sire. Vernon Ross. Dites-moi tout, Ross. Des bagarres se sont déclenchées dans la ville. L'une de nos sections a traversé la rivière et a afflué dans les rues pour tout dévaster. Incendies, viols, pillages. Les Lavalettes opposent encore de la résistance près du temple. Qu'en est-il de la baronne ? Nous l'avons capturée sans incident. Elle est indemne, j'espère. Selon vos ordres, sire. Elle va bien, et sa beauté est intacte. Mais les enfants n'étaient pas avec elle. Et vous savez où ils se trouvent ? Au monastère. Mais nous n'avons pas encore pénétré la zone. Traversez, vite ! Protégez le roi ! Ça craint, ça. À couvert. Ouh, vite. Ah, je crois que je brûle, en fait. Mais crève, putain, merci. Comment combattre une telle chose? On ne combat pas, on fiche le camp. Quelle croix de sang! Rejoignez-le. À couvert! Est-ce bien vrai? Ce roi ne chasse pas les dragons. Tu veux que j'aille lui expliquer, peut-être? C'est toi l'expert. Tiens! Mes créants, crève! Brûle, crève! Le gars il craque son fou quoi. Crève. Eh ben. Ah, ça brûle. Wow, pirouette. Ah. Esquive. Ah, esquive. Ah, désolé, il faut que j'arrête, excusez-moi, encore un petit souci.
Bon, désolé, alors on est reparti. Voilà. Désolé, j'ai dû. Je sais plus où je suis, je bordel. Attention. Putain, mais lâchez-moi la grappe. Ah oui, on était sur le pont, d'accord. Désolé, c'est un petit oubli de ma part. Je suis parti quelques minutes. Voilà, je suis parti quelques minutes en fait. Même plusieurs minutes d'ailleurs, même une heure. Voilà, donc ça arrive quand on sonne à la porte, je suis obligé de répondre. Désolé. Allez, hop. Vite, hop là, la petite roulade. roulade épique. Ah, que j'ai déjà devoir me battre contre un. Bon. Allez, hop, je remets le casque, voilà. Ouais, charge, parfait. Oh, ben voilà, c'est con, j'étais presque. Presque prêt. Ouais. Nous nous sommes préparés. Séparés, pardon. Petit chargement. Quand tu veux. Alors, c'est pas là qu'on... Non, absolument pas. Fouiller le sol du temple, c'est là que je dois aller ? Y'a pas une carte ? Carte honnête. D'accord, et je dois aller où ? Fouiller le sol du temple. Je monte jusqu'au temple, non, c'est pas ça. Il y a juste que je ne sais pas par où aller. Bon, c'est pas grave. Je pense que si c'est ouvert là, c'est que c'est par là que je dois aller. Théoriquement. Qu'est-ce que. Ah. Des amis là. Y'a quoi là? C'est bien ça qu'on puisse rentrer dans quelques petites maisons. Par contre, il y a l'air d'avoir un truc derrière, non?
Comment je fais pour atteindre le... Par là, certainement. Ah. Ça te prie. Ah bah c'est génial, merci, sale connard. Non mais dis donc. Merde, fuck, fuck, fuck. Ça c'est con quand même. Bon mais tant pis, désolé, j'ai essayé de vous sauver, mais ça a pas fonctionné. Tiens, chat, aïe, aïe. Ah, oh, je comprends pas ce système de combat. Je pense qu'il a compris la leçon. Hein. Ah, fais-le, fais-le. Rien à foutre. Alors, comment est-ce qu'on va? Ah, 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 le feu nous fait des dégâts. Ça, c'est plutôt bien, mais. Je brûle. Pourquoi je peux pas ouvrir cette porte? Ça craint. Pas la défoncer? Bon, je ne sais pas, tant pis. Je vais savoir pourquoi, à moins que la clé soit. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas ouvrir, il y a sûrement une solution et je n'ai pas dû la trouver. Bref. Il n'y a pas d'autre truc, non? Bon, c'est pas grave, laissons tomber. Continuons, c'est ce qui compte. Ah. Tiens, crève, charognier, charogne, charogne, charogne. Oh, 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 oh. Je comprends pas pourquoi ils se battent ensemble en fait. C'est bon? Il est encore là-bas, c'est ça? Pratique ça. Attendez, parce qu'il y a l'air d'avoir de la baston de l'autre côté. Je sais pas si je peux y aller. Je sais pas du tout s'il y a la possibilité d'y aller. Bon, dans le doute, j'y vais.
Bref. Ah, mais si, attendez. Parce que normalement, si j'ai bien compris, hard. Voilà, et normalement... Voilà, merci. C'est vrai qu'il y avait un système comme ça. Et en faisant hard machin, ça va fonctionner pas ? Apparemment pas, d'accord. Oh, l'attaque ! Bande de bouseux ! Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah ! Ah, 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 putain, la vache, il faut tout le temps bouger dans ces combats. Ah, dans le dos, mes crayons. Tiens, t'es mort. Bon, ben voilà, c'est bien, ça. Et je cueille des plantes. Alors, pour... c'est quoi le truc qu'il y a là, en fait ? Est-ce que c'est une quête, un truc comme ça ? Ah oui, descendez dans le puits, d'accord, j'ai pas eu croire, je suis bigleux en plus. Si je suis bigleux, ça va pas s'arranger, hein. Alors c'est magnifique, mais on y voit que dalle. Bonjour toi. Non, je suis pas censé prendre mon autre épée. Ah putain. Voilà, il me semble bien qu'avec l'autre épée ça. Putain, il fait mal hein. Avec l'épée normalement en argent, ça fait plus de dégâts. Je me rappelle ça. Oh, je sais pas d'où ce souvenir il est venu, mais. En même temps, ça paraît logique. L'épée en argent tue mieux les monstres. Ah. Ah putain, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc pour me soigner? Non, puis je peux pas utiliser le hard là, machin? Non, apparemment pas. Ah, meurs, schlack, fini. Suivant. C'est quoi ça? Alors j'essaie de fouiller un peu partout, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Collier en argent. Je le mets ou pas le collier en argent du coup? Attendez, est-ce que je l'ai mis ou pas? Inventaire. Collier en argent. Y a pas. Ah, c'est de la camelote, d'accord, ok. Ah, mais non, pourquoi tu changes, putain? Ah. Attendez, hein. J'ai quelle épée là? C'est l'épée en argent, ça? Ben, je sais plus, mais non. Je crois que c'est l'épée en argent, ouais. C'est ça, c'est l'épée en argent, pardon. Y'a rien, hein. Je passe comment? Là, peut-être, non? Voilà, c'est ça. Hey! T'es pas encore mort? Purée la vache, résistant. Changer de signe, je vais prendre du feu. On peut pas passer toujours pas, c'est ça? Ah si, c'est bon. Ah ah, j'ai trouvé. C'est périlleux, mais j'ai trouvé quand même.
Ah, salut. Salut vous. Ah putain, je peux pas rentrer dans le truc. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain, mais t'es bloqué pour le moindre truc dans le jeu. Mais laissez-moi passer, bande de bouseux. Ah, mais merde. Ah. Bon. Voilà, hein, c'est fini cette histoire. C'est quoi ça, je redescends par là, c'est ça? Non, c'est. Il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits, je sais pas où passer. C'est par là que je dois aller? Attends, je sais pas si c'est par là que je dois aller ou pas. Ah là 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 là. Il y a pas de carte. C'est ça? Ah si. Non, il y a pas de carte, d'accord. Je sais pas par où aller. Je pense qu'il faut plutôt que je sorte vu que j'ai vu les gars sortir là. Ça me fait combien? Ça me fait déjà presque ouais, plus de 30 minutes là. Ah là là. Ah là là, le bonheur. Bon ben voilà, ça au moins ça règle le problème. Ben du coup je vais m'arrêter ici, je suis désolé. Donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire et pour la suite directe, hein. Et à plus. C'est...